feels like the first time. Throw away all my pride. Don't wanna say I love you. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai décidé de vous vlogger ma petite journée parce que j'ai des choses hyper sympa à faire aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas vous vloguer. Au début j'ai un peu hésité parce que je vous ai sorti un vlog il y a même pas 2 jours et que je me suis dit que j'allais prendre une petite pause avant de recommencer un petit vlog, mais au final je vais vous amener avec moi parce que j'ai bien envie de vous montrer ma petite journée. Donc déjà je commence par un massage, je suis trop contente. J'ai un petit massage de prévu avec Inès dans un espace de coworking à Lyon, donc voilà, je vous filmerai ce que je peux. Je pense que j'aurai sur Insta, je pourrai plus vous filmer. Mais voilà, je vous filmerai ce que je peux et surtout, je vous ferai un retour après. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, après, je pense que je vais rejoindre Maëva dans sa boutique Emeka à Lyon. Vous savez, j'y suis souvent. Et je pense que je vais passer récupérer le goûter chez Icône. Icône, c'est un petit bar à chocolat à Lyon qui est juste incroyable. Et leurs cookies, je vous jure qu'ils sont incroyables. Donc si vous passez par Lyon ou si vous êtes de Lyon, je vous le conseille. Et voilà, donc une journée très sympa. Et après, je pense qu'on va aller voir le nouveau Stradivarius à Lyon parce qu'il vient d'ouvrir. Donc je sais pas trop ce que ça donne. On va voir. Il a ouvert à la Paradieu, il me semble. Je pense qu'on va aller voir avec Maëva, voir s'il y a des pièces sympas. C'est vrai que moi, je m'habille pas trop chez Stradivarius. Mais par exemple, dans mon autre vlog, je vous avais montré ma jupe qui est top. Donc voilà, ça dépend. Des fois, je trouve des pièces sympas. Donc pourquoi pas aller voir. Je voulais vous montrer quelque chose aussi avant de partir. J'ai reçu un sac que je voulais depuis très longtemps de chez Farfetch. Donc merci beaucoup Farfetch. Et j'ai un code promo. Donc je vous mettrai tout ça dans la bio. Donc je vais vous montrer le sac que j'ai pris. Alors j'ai pris ce petit sac de chez Coperni. Je suis trop contente. Coperni c'est une marque que j'adore. J'avais aucune pièce de cette marque là. Donc du coup j'ai choisi celui-ci. Et j'ai choisi un sac très simple. Parce que vous me connaissez, je ne mets pas non plus des couleurs, voilà. Donc j'ai pris celui-là. Je l'aime trop, il est trop joli. Et je trouve que vraiment c'est hyper élégant. Enfin la forme, je ne sais pas si vous voyez. Vraiment la forme, elle est hyper élégante. Donc voilà, j'adore, c'est trop joli. Je vous mettrai le lien s'il y en a qui sont intéressés par ce sac-là. Et je pense que je vais me changer. Je vais peut-être pas rester comme ça, je vais voir. En tout cas, je vous amène avec moi et c'est parti. Et du coup, je vais vous montrer ma petite tenue avant de partir. Et après, il faut que je parte absolument parce que là, il est presque 14h et j'ai rendez-vous à 14h. Donc, il faut vraiment que je me bouge. Donc, pour la tenue, j'ai mis ce bomber de chez Zara. Je sais qu'il y a eu un truc de ouf autour des bombers chez Zara, donc pas celui-ci chez les autres, mais moi j'ai pris celui-ci parce que je sais pas, je voulais pas prendre l'autre tout le monde là, j'ai l'impression. J'ai mis mon petit col roulé de chez Worst Behavior, mon petit jean de chez Strad que j'ai reçu, non pas Strad, Pull&Bear pardon, que j'ai reçu, et mes Uggs comme d'habitude plateforme. Et je pense que je vais mettre un petit sac à main noir assez simple pour aller avec la tenue. Je viens d'arriver à la boutique, j'ai pris les petits cookies, donc on va faire un petit crash test, enfin on les connaît, on sait qu'ils sont bons. Les gars, je suis tellement dans les vapes que j'ai raté mon arrêt de métro, tellement le massage il m'a détendu, j'ai raté mon arrêt de métro, du coup j'ai dû revenir, enfin la galère. Donc là je pense on va se poser, on va prendre nos petites goûters et puis après quand elle va le faire on ira à la Pardieu comme je vous ai dit, donc je vous amènerai avec moi. Peut-être qu'il y aura des petits trucs à Strad. Et on va aller à NYX aussi parce que moi il faut que je me rachète un crayon à sourcils. Et Maëva je crois qu'elle a une carte pour acheter des trucs. Donc si elle trouve des trucs, voilà. Et puis voilà. Et
Là, du coup, en fait, je suis partie de la boutique, mais j'y retourne dans 5 minutes. C'est juste que je dois passer à Pearl. C'est un truc un peu d'électronique et tout, changer mon petit micro. Parce qu'en fait, j'ai acheté ce micro et au final, ça fait pas du tout bien. Donc, je sais que je peux échanger jusqu'à... Bah, c'était 15 jours, donc là, il me reste 3 jours, quelque chose comme ça. Donc là, j'y passe et je vous dirai ce que j'ai pris en échange. J'espère que je vais trouver un truc bien. Là, je suis revenue, j'ai pris ça au final parce que j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Donc j'ai pris ce trépied un peu pour appareil photo. Enfin, vous pouvez mettre votre appareil photo dessus. Donc bah, je vais l'essayer là, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, à part ça, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Et au final, le mec m'a bien dit que le micro que j'avais n'était pas fait pour mon appareil photo. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont vendu la dernière fois, mais bon, voilà. T'as quel appareil photo parce que non, il faisait combien copain. Oui, il m'a dit, il faisait combien. Il m'a dit, non, mais ça va. Alors qu'il me dit, avec objectif. Du coup ça donne ça, bon là j'ai mon petit fil donc voilà, mais franchement c'est pas mal. Parce que du coup ça me permet d'avoir un truc pour tenir mon appareil photo parce que franchement ça fait trop mal au bras. Genre je suis comme ça quand je filme d'habitude et j'ai pas le bras. Donc trop cool et du coup il s'ouvre comme ça si j'ai besoin de le poser. Je vous le conseille, il est pas mal, c'est à Pearl à Lyon, voilà. On est arrivé à Pardieu, là du coup on se dirige vers Strad et je pense que après on va faire un tour à Nyx comme je vous disais et puis voilà, j'espère qu'on va trouver des trucs sympatoches et que le Stradivarius il y a des trucs bien. Comme je vous ai dit, moi je cherche une fourrure peut-être, je sais pas si je trouve, et des crayons du coup à Nyx. Bon, je suis de retour à la maison, je voulais vous faire un petit haul. Franchement le Stradivarius il est genre nul honnêtement, je sais pas, la collection elle est hyper bizarre, la qualité elle est vraiment pas au rendez-vous, enfin pour moi en tout cas je trouve que la qualité elle est pas du tout au rendez-vous, donc c'est un gros flop. S'il y en a qui sont allés au Stradivarius à Lyon, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'ai pas été hyper fan. Donc du coup on est passé à Nyx, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai vraiment acheté 3 petits trucs qui me manquaient et puis voilà, je vais revenir aussi sur du coup le massage. Franchement vraiment elle était top, donc je suis allée chez Inès dans son espace de coworking, je vous remettrai le nom parce que je ne me rappelle plus et je pense que je ferai une story à la une sur Instagram, donc si vous voulez aller voir et que vous êtes intéressé, c'était top, genre vraiment je me suis trop détendue, je pense que j'en avais un peu besoin. Parce que je suis une personne assez stressée de base et elle est surtout géniale, elle est à l'écoute vraiment. Donc voilà, si vous venez de ma part, vous avez moins 10 €, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, son Instagram comme ça voilà. Et si vous voulez prendre Planity, sur son Planity, sur les rendez-vous, vous pouvez écrire en fait je viens de la part de Sarah Ndiaye et vous aurez moins 10 € sur votre massage. Donc vraiment vraiment si vous avez besoin d'un moment de détente et que vous venez de Lyon, franchement allez-y. Donc petit haul, premièrement j'ai pris celui-là, donc, je sais pas si ça va focus, voilà, j'ai pris ça de chez NYX, il me fallait un crayon à sourcils et j'en ai plus, donc je suis passée à NYX, j'en ai pris un. Moi j'utilise celui de la marque Sephora d'habitude, il est bien mais il est pas exceptionnel. Voilà, donc je voulais changer, donc je vais essayer celui de NYX. J'ai pris mon crayon fave de tous les temps de chez NYX, qui était en rupture de stock, mais pendant au moins, franchement, au moins 2 mois. Je le trouvais jamais, et les vendeuses à NYX me disaient qu'il était en rupture de stock. C'est le Cold Brew, trop joli, c'est un mélange, enfin, il est marron comme ça. Donc je mets beaucoup de crayons marron, moi, mais il est un peu moins... foncé que le espresso. Espresso c'est celui que je vous ai mis dans mon vlog, mon dernier vlog sur ma chaîne où je vous ai fait un petit tuto make-up au tout début. Et j'ai testé celui-ci. Voilà, j'ai testé celui-ci. Je ne l'ai jamais testé mais j'ai vu une fille le tester. Donc c'est le Soft Matte Lip Cream. Je porte pas du tout de matte. Là je me suis dit pourquoi pas essayer parce que j'ai vu une fille sur TikTok il me semble qui disait que c'était top. C'est la teinte Abu Dhabi et en fait je vais mixer vous savez le crayon un peu marron et mettre ça
un nude pour faire la démarcation. Et je pense que je rajouterai un petit gloss parce que j'aime pas trop l'effet mat. Donc voilà, j'ai acheté que ça. C'était très rapide. Donc en fait, j'ai acheté ce dont j'avais besoin. Là, je vais aller prendre ma douche parce que j'ai besoin d'enlever toute cette huile sur le corps vu que j'ai eu de l'huile partout sur le visage, sur le corps, de partout. Ce qui explique un peu ma tête. Normalement, ce mois-ci, dans pas longtemps. J'ai aussi un petit vlog qui est sympa, qui arrive bientôt sur ma chaîne. Donc je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très bonne soirée.